tiens à protester absolument contre l'initiative démente prise par Radahan contre le député, notre collègue Ziad Hawat, en contradiction totale, en contravention totale de l'article 39 de la Constitution qui accorde aux députés l'immunité sur leurs propos, au moins la liberté de parler. Elle veut nous l'enlever et elle parle de flagrant délit. Qui peut parler de flagrant délit? Une femme qui a violé les domiciles, brisé des portes, volé des computers, et qui n'a respecté aucune loi, qui a été mise à l'écart par l'inspection centrale de la justice et qui n'obéit plus à personne. Nous avons affaire à un taureau qui est en pleine arène et qui ne voit plus devant lui. Et combien c'est dangereux pour la liberté d'expression des députés? Écoutez, les députés ne vont pas répondre à Radahan. Elle peut faire ce qu'elle veut, intenter les actions qu'elle veut. Le pouvoir législatif reste, ne lui en déplaise, supérieur à tous les autres pouvoirs. C'est le pouvoir qui émane d'un vote du peuple et ce n'est pas un magistrat nommé, surtout dans le parquet debout, pas le parquet assis, pas les juges assis, qui va venir nous dicter ces lois en contravention de la Constitution.